Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'ouverture du calendrier de l'Avent de mon amie Brigitte. Donc on était arrivé au numéro 20. J'espère que vous allez bien voir parce qu'il fait très mauvais ce matin. J'ai allumé la lumière, peut-être que ce sera mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Donc voilà, donc on était arrivé à la case numéro 20. Donc toujours les petits bonbons. Je les ai ouverts avec mes petites filles, hein, donc ben voilà quoi, elles sont vides, voilà, donc ça a été très apprécié. Donc ici on a ouvert ça ensemble tous les jours, c'était trop sympa, elles étaient vraiment voilà, contentes, hein. Donc là ici encore un joli tamponnage, elles n'ont pas arrêté de faire des oh waouh, bref, c'était trop cool. Et voilà quoi, donc tu vois, t'as fait des heureuses Brigitte. Ici, donc on a ouvert, hein, j'ai ici encore des jolies petites tags avec le pain d'épices et le mug, là j'adore, les petites étiquettes là, voilà, bon j'espère que vous allez bien, sinon le mois de décembre avance bien, hein, là, bah, là c'est pareil, hein. À vrai dire j'ai tout mis dans une boîte à chaque fois parce que bon, pas... Et elles ont pris des petits œufs, des petites choses comme ça pour le goûter. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc le 21, ici pareil, un petit pain d'épices en tamponnage. Une jolie rosace pailletée avec derrière du lin qu'elle a dû mettre, qu'elle a mis entre deux, je pense. C'est trop joli. Ah oui, oui, elle les a collés. En fait, quand elle les a collés face à face, et elle a mis, vous voyez, ça. Tu me diras, Brigitte, si j'ai raison, mais je pense que oui. Vous voyez, c'est le même tissu. Du lin, c'est du lin coloré. Ou de la toile de jute, je ne sais pas trop. Enfin bref, un joli ruban. Et donc, elle a mis, elle a dû pailleter, et après, elle les a collés dos à dos, avec le tissu au milieu. C'est une très belle idée. Sympa aussi ça. Ah là là, que de découvertes ce mois-ci, c'était trop sympa. Hein. C'est presque à regret que ça se termine. Hein. Aujourd'hui, on va ouvrir le 25. Donc, restez bien avec moi. Hein. Donc, 20, 21, 22. Pareil, la petite boîte, le petit tampon ici, un joli sapin. Là, je ne sais pas, j'ai ouvert, mais j'ai pas regardé. Pour regarder avec vous, comme ça, ben, ça fait la surprise aussi. Ah, c'est des petits carnets, ça c'est trop, trop chou, j'adore. Et là, je pense que c'est la... Oui, c'est la... Ah ben oui, elle a collé comme ça. Oh là là, tout est bien. Ah, c'est chouette. Oh, c'est chouette ton truc, là. J'adore. Et après, tu as fait un petit point de couture. Oh, c'est trop bien. Ça fait vraiment bien pour mettre dans le junk. Je vous dis... Ouh, ce sera un December Delice. Delice. Peut-être aussi. Un December Delice. Delice. Oh, je vais être fatiguée. L'année prochaine. Ou à calendrier. Là. Ou non. Un gel. Ah ouais, non, mais ça va pas. Hein. Ça va pas encore ce matin, hein, décidément. C'est gris dehors, mais ça doit être gris là-haut aussi. Hein. Les matières grises, ça fait. Bon. Ici 23, là encore un Merry Christmas, vous avez vu l'accent un peu, ici un petit montage, trop joli, toujours le petit fait main derrière, voilà une petite shaker avec un montage de papier, vous voyez ce que ça fait, je trouve ça trop sympa, hein. Ouais, c'est super chouette, bon, je vais encore être pleine de paillettes. Et briller de mille feux. Voilà. Merci Brigitte. Donc 23. 24. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Donc voilà. Là, ça peut être vidé, vous voyez. Et voilà. À l'intérieur, ben là c'est pareil, j'ai regardé comme ça, mais je n'ai pas ouvert.
Je suis une curieuse, mais raisonnable, hein. Alors, alors, qu'est-ce que c'est? Kezako. Oh, très jolie petite carte. C'est trop mignon. Trop, trop mignon. Voilà. Ici, bah, c'est la même chose. C'est sympa ça, hein? Moi je pense pas faire ce genre de petit truc. Oh là là, encore des jolies étiquettes. Plein de surprises hein, dans ce calendrier de l'Avent. T'en as des jolies découpes, hein, dis donc. Ça, c'est des dies pour faire des présentations de. Ouais, c'est trop chouette. J'en ai pas, moi, des trucs. J'en ai pas. Non, j'en ai pas, des comme ça. J'ai pour faire juste des embellissements, mais assez grands, hein, avec des piqueurs, mais voilà. Ici, plaisir d'offrir. Trop joli. Waouh, regardez comme c'est beau. Ah, ben, c'est un tag dans un. Dans la tag, presque. Ben oui. C'est une pochette dans une pochette. Trop jolie. Regardez le petit montage qu'elle a fait ici. Une petite enveloppe. C'est adorable. Merci, merci, merci. C'est trop chouette. Ah, quel bonheur. J'ai tout gardé dans. J'ai une boîte où j'ai mis justement tout. Tout ce mois de décembre. Et j'ai gardé bien précieusement. Parce qu'il y a plein de choses là qui vont me servir. Et après, maintenant, on est arrivé au 25. Donc, je ressors ma petite maison. Et le 25, il doit être là, quelque part. Oui. Voilà. Ça, j'ai adoré aussi, franchement. Voilà. Donc, le 25, qu'est-ce que c'est? Un Père Noël, un babbo natal, comme on dit en Italie. Trop sympa. Voilà, et deux petits cadeaux. Bon, j'espère que vous avez été gâtés. Parce que je pense que vous avez été sages, hein, de toute façon. Et, ben, et moi, je vous souhaite un très bon Noël. Hein. Oh, que c'est beau! Que c'est beau, que c'est beau. Ça aussi, c'est joli, cette petite découpe-là. Voilà, je sens que je vais éternuer. Achou! Oh, pardon. Oh, ben, il vient de loin, lui. Voilà. Alors. Que c'est beau, regardez. Toujours ce petit fait main là. Ah! J'adore ça. Vous le savez, on en a fait ensemble aussi. Ça rend super bien. Avec de la dentelle autour. Une autre jolie découpe ici. Ici, un superbe tag encore. Avec des petites images là. C'est trop mignon. J'aime bien tous ces petits rappels de rouge là tout autour. Très Noël, hein. C'est très beau. Merci ma bribri. La petite pochette là, elle est adorable. Merci beaucoup. Et tout est ancré hein, avec du rouge. Attention. Hein. Et j'espère que tu n'as pas fait de bêtises ici. J'espère que non. Hein. J'ai pas d'ongles en plus. Allez. Et le petit 25 avec des petites gourmandises, trop sympa. Et oui, parce que souvent le calendrier de l'Avent, vous avez vu, ça s'arrête au 24, mais en fin de compte, le 25, ben c'est le jour le plus important, hein, entre guillemets. Hein, parce que bon, le mois de décembre, moi j'aime bien parce que il y a tous les préparatifs, la déco, tout ça. J'ai fait plein de déco avec mes petites filles. Bon, c'est déjà offert. Hein. On avait fait, on s'est amusé à faire des petits marque-pages, marque-place, pardon. On a fait des petites choses, genre comme ça, vous voyez, c'était
C'était la table de ma fille était hier sur la nature, donc on a fait des petites choses comme ça, voilà. Nono, nona, donc c'est papi, mamie, hein, en italien, parce que bon, voilà. Et bah, c'était très sympa et on a passé un bon moment. Là aujourd'hui, ben tout le monde est reparti, donc ça fait un peu vide, quoi, mais bon, c'est comme ça, c'est normal, hein. Bon, enfin bref, on va pas raconter ma vie. Écoute Brigitte, tu m'as fait passer un mois de décembre vraiment très 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 sympa. C'était vraiment génial. Je te remercie du fond du cœur. Je vous souhaite à tous et à toutes et à tous plein de bonnes choses. Bon, vous n'allez pas avoir cette vidéo ben, le jour de Noël, hein. Donc ben, aujourd'hui, dimanche. Voilà. Parce que ben j'ai pas pu faire de vidéo hier ni avant-hier. Et bah, suivra le tag où c'est parce qu'il n'est pas fait. Je vais tout vous dire hein, parce que bon, il n'y a pas de mystère. J'ai rien à cacher. Il n'est pas fait, donc je vais le faire cet après-midi. Si c'est possible, il paraîtra bah, ce soir. Si c'est pas possible, eh bien il paraîtra demain. Bon, ça changera du dimanche, ce sera lundi. Mais bon, il y avait les jours fériés, alors ben voilà quoi. Bon, écoutez, moi sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère que vous avez passé un bon moment en famille pour ce Noël. Et je vous fais des gros bisous. Merci encore, Bribri. Et puis à bientôt pour le dernier tag de l'année. Voilà. Allez, gros bisous à toutes. Bye bye.